Partie de trois fois rien, la polémique a pris de sérieuses proportions. Début juillet, alors que la Coupe du monde de football battait son plein, Alicia Elio était aperçue dans les tribunes, en Russie, lors du match entre la France et l'Argentine. Et d'un seul coup, tout le monde se mit à croire que Miss France 2017 était en couple avec Kylian Mbappé. Des rumeurs qu'elle avait rapidement évoquées dans sa story Instagram. En réponse à une personne qui lui avait envoyé « Quand tu te tapes mon homme, je te dis, laisse-le, il est à moi », Alicia Elio avait d'abord envoyé un message général. Ce genre de personne qui t'envoie des messages inutiles concernant des gens qu'elles n'ont jamais rencontrés, les filles, arrêtez d'être amoureuses de l'image que certaines personnes renvoient / Dans le fond, vous ne savez pas qui elles sont réellement. Fermez les guillemets, elle avait ensuite choisi de répondre à sa façon aux rumeurs. Pour moi, rien n'a changé. Je n'ai aucune déclaration officielle à faire sur ma vie privée / Alors on va tous se contenter de ce que je dis ou affiche sur les réseaux sociaux. Fermez les guillemets, une mise au point qui n'a satisfait personne, puisque de son côté, Kylian Mbappé a lui été plus clair. Sur sa story Instagram, il a écrit « Le mensonge est un vilain défaut » en réponse aux rumeurs. La petite phrase cinglante, mais claire du footballeur a alors provoqué la colère de ceux qui le suivent et semé le trouble chez les fans de Miss France 2017. Sur les réseaux sociaux, Alicia Elio se faisait purement et simplement accuser de vouloir faire du buzz, en laissant planer le doute sur leur prétendue relation. Au final, son ami Camille Serre vient de révéler à Téléstar comment Alicia Elio a vécu ses rumeurs, qui lui prêtaient une histoire d'amour avec Kylian Mbappé. Les gens de toutes les nationalités l'arrêtaient dans la rue, expliquait-elle au magazine. C'est pesant quand on n'a pas envie de parler de sa vie privée, que tout le monde s'y intéresse, et en plus qu'on raconte des mensonges. Fermer les guillemets et d'ajouter, elle le prenait avec le sourire, mais au fond, ça l'énervait. Fin du chapitre /